Moi, j'ai l'initiative de ce projet parce que moi, j'ai assistante sociale déjà. Et pour moi, ce fléau, c'est un fléau, c'est un sujet qui est préoccupant. Pas rien qu'aujourd'hui, hein, on a au moins une dizaine d'années que mes batailles contre ça. Et l'idée, elle a été de faire un projet avec les élèves, un film qui parle aux élèves, avec les élèves de mon établissement, dans notre langue maternelle, pour qu'ils parlent et qu'ils touchent les élèves. Et que du coup, ben, voilà quoi, vous êtes les intéressés. Le sujet du film, donc, c'est Lucas, un marmaille qui subit du harcèlement tous les jours. Et que du coup, il est dans une démarche où ça, il ne veut plus aller à l'école, quoi. Donc, la boule au ventre, le soir, même chez lui, le soir, il pense à ça. Parce que tous les jours, c'est lui. Et ça ne s'arrête pas. Et donc, on voit après des images, des moments. Et puis, à un moment donné, comment les autres, ils peuvent regarder ailleurs. Ou au contraire, regarder et faire face et agir contre le harcèlement. C'est ça le but. Donc, au départ, on n'a pas fait pour le concours. On avait fait comme ça pour avoir un projet de prévention, un support pédagogique. Mais après, notre maman, elle a dit, madame, voilà. Et de fil en aiguille, on a dit, pourquoi pas faire le concours, présenter le concours. Du coup, le film que tu es à 4 minutes, on l'a réduit à 2 minutes parce que c'est le calibre du concours. Et du coup, on a eu le coup de cœur académique. Donc, c'est une fierté, bonne marmaille, c'est une fierté pour moi, pour l'établissement, pour nous, toute la cité éducative au port. C'est un paquet de monde qui a été autour de ce projet-là. Donc, nous, on est très contents autour de ça, quoi. Et du coup, avec la MAE, qui est partenaire du rectorat, nous l'a eu un prix, là, aujourd'hui, bonne marmaille, elle est fière, de 1 000 euros pour l'établissement, que va permettre à nous de faire aussi d'autres projets. Et on a déjà des idées, hein, mais peu d'azote. Alors, je tiens à remercier tous les partenaires qui étaient avec nous pour la réalisation de ce film-là. La cité éducative, c'est une dynamique, hein, je disais tout à l'heure. Après, en partenariat interne, enfin le rectorat bien sûr, le partenariat interne, tous les métiers, les corps de métiers que là, de près ou de loin, permis de faire ça. Les équipes éducatives, pédagogiques, les parents d'élèves, que l'a permis de rendre possible aussi. Et bonne marmaille, qu'elle était formidable, bien sûr. Madame la principale du collège Edmond Albius, je disais l'équipe éducative, l'équipe pédagogique, mais l'équipe de direction et madame Bola qui a rendu possible ce projet-là en nous facilitant les choses. Depuis 2015, le rectorat de La Réunion a été précurseur dans la lutte contre le harcèlement entre élèves. Et depuis 2 ans, c'est donc la 3e année, que nous avons un programme à mettre en place, un programme de formation qui s'inscrit dans la prévention de lutte contre le harcèlement entre élèves que nous mettons en place avec des outils, des protocoles à respecter et à appliquer en cas de situations qui sont signalées dans les établissements scolaires, les écoles, les collèges et les lycées. En tant que référente académique, ce film, nous l'avions avec un jury bien défini au mois de février. Nous l'avions choisi comme coup de cœur académique, ça s'appelle, et nous avions pensé qu'il devait être récompensé et il a participé de la même façon au concours national qui met en place le prix non au harcèlement national. Et ce petit film a donc requis l'avis du jury pour être coup de cœur académique que nous récompensons aujourd'hui. Ce qui est extrêmement favorable, c'est que ce sont les élèves, accompagnés certes de nos personnels, mais qui sont acteurs, porteurs de projets et qui eux-mêmes peuvent, dans la mesure où ils sont acteurs, ils le sont aussi dans le quotidien, dans la cour et dans la vie de tous les jours, pour accompagner leur père, pour être témoins de situations qu'ils doivent dénoncer de façon à ce que l'école puisse avoir une qualité, un climat scolaire suffisamment serein pour que les élèves soient de bons apprenants et qu'ils réussissent leurs études. L'idée, c'est bien que l'école doit être un lieu de vie calme et serein où nous devons écarter toute situation de harcèlement et les élèves les premiers doivent participer à cette lutte. Alors nous avons fait un film sur le harcèlement scolaire. Alors il faut savoir que le harcèlement scolaire c'est une violence qui est répétée sur un ou plusieurs élèves. Alors les violences peuvent être physiques, mentales ou
etc. Ils peuvent avoir plusieurs conséquences comme la dépression ou le mental, ben il est pas bien et tout. Et genre il peut aller vraiment jusqu'au suicide. Oh, c'est quoi ça? C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de participer au projet. Et franchement, j'ai bien aimé le projet parce que comme moi, je suis quelqu'un qui aime le théâtre, qui aime jouer et voilà. Et comme donc c'était une bonne occasion pour moi de faire ce que j'aime et de travailler pour une bonne cause. Alors, on ne nous a pas que seulement sensibilisé sur le harcèlement, on nous a appris les fils du métier, par exemple caméraman, perchman, le clapman, comment il faut être pour regarder la caméra, hors champ, et dans le champ, etc. Donc c'était vraiment quelque chose de vraiment bien. Et après le film, ben, on s'est rendu compte qu'on peut être harceleur sans se rendre compte. Par exemple, là, tu moquettes quelqu'un, là, tu crois que tu rigoles, mais en vrai, la personne peut être mal en lui. Du coup, il peut aller jusqu'au suicide, etc. Donc, vraiment, faites attention quand vous parlez aux gens ou quand vous moquettez et tout. T'es à 13 ou à 12, donc on était vraiment un petit peu la classe idéale pour faire le film. Et franchement, nous, dans notre classe, il y avait beaucoup de disputes, il y avait beaucoup de trucs. Mais grâce au projet, bah, ça nous a permis de prendre conscience aux gravités des choses pour le harcèlement. Et on avait 2 semaines pour faire le film, c'était très peu réviser, apprendre les textes, comment se déplacer, etc. Vraiment, c'était vraiment trop dur. Mais j'ai su rester courageux parce que comme c'était pas la bonne cause, ben j'ai fait et franchement pour moi c'était un bon résultat. Est-ce que vous connaissez quel est le meilleur jus? Lequel? Le concentré. Alors concentrez-vous ici. Là, ici, regardez là. Ne bougez pas. Encore, parce qu'il y a quelqu'un pour une photo derrière moi en même temps.